Bonjour à tous et bienvenue sur la minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 12 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Pays d'Ouche. Deuxième course de la Réunion 1, où 15 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h55. Ce handicap divisé de première épreuve, s'adressant donc à des chevaux d'âge et une nouvelle fois très ouverte. En effet, sur le parcours des 2500 mètres de la piste en sable fibré normande, tous peuvent pratiquement prétendre au titre. Croisons simplement les doigts pour que nos bases assurent le coup, dans une course très rythmée où toutes les tactiques seront envisageables. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinte. En première position, nous retenons le numéro 11, Normandy Beach. Christophe Soumillon absent, c'est Christiane Demureau qui sera aux commandes de ce pensionnaire de Christophe Ferme. Restant sur une belle victoire autoritaire en fin d'année dernière, il va tenter de doubler la mise malgré la pénalisation au point. En deuxième choix, le numéro 3, Count Rostov. Les élèves de Francis Graffard sont en très belle forme en ce début d'année 2022 et il ne fait aucun doute qu'il peut l'emporter s'il répète sa dernière troisième place. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Monsieur Xo. Yann Barbereau l'aime bien et Alex Roussel, son pilote expérimenté, est très adroit. S'il dispose d'un bon parcours avec le 5 dans les stalles, il ne doit tout simplement pas taper loin. En quatrième position viendra le numéro 13, Kairat. En forme depuis qu'il a rejoint les box de l'entraînement de François-Xavier Belvisi, il comptera sur le talent de la jeune Ambre Molins pour espérer se sortir de son petit poids de 53,5 kg. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Just Light. Il sera le préféré de beaucoup et partira sûrement très appuyé à la cote. Présenté par Alain Couëtil et restant sur deux excellentes tentatives en fin d'année dernière, il vise lui aussi le succès. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Marquant. Attention à lui car il est bourré de classe et si Grégory Benoît est aux commandes de ce pensionnaire de Hiroshimizu, ce n'est assurément pas sans une idée derrière la tête. En avant-dernier choix, le numéro 1, Breath of Fire. Carlos et Yann Lerner le trouvent très bien le matin et pensent que dans un tel lot avec un parcours sur mesure, il peut pourquoi pas pimenter les rapports à Bellecote. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Bourdin. Délaissé par Maxime Guillon, il sera toutefois monté par un Tony Picone qui réalise de belles choses depuis son retour sur le sol français. En cas de non partant, le numéro 12, Salaud Saint, piloté par Marie-Linéon et présenté par Christophe Letout, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, Top Prono réalise un authentique exploit. En effet, le célèbre pronostic donne le tiercé dans l'ordre de 354 €, le quartet dans l'ordre de 2 595 € et surtout, tenez-vous bien, pour bien débuter l'année, le quintet plus dans l'ordre, ce dernier affichant tout de même un rapport de 31 589 €. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.